Hello, mes BF, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec toi une astuce beauté. Je te propose également aujourd'hui une recette qui va te permettre de ne plus avoir des comedons, de ne plus avoir un teint terne. Reste scotché. Alors, mes BF, on passe rapidement aux ingrédients. Bien évidemment, c'est ce dont vous avez sur le coude à la main, comme je le dis chaque fois dans mes vidéos. Premièrement, nous aurons besoin du café qui sera notre base ici. Je ne vous présente plus le café. Vous savez que le café ici a une propriété éclaircissante et nettoyante du visage. L'huile de coco ici, le miel qui aura des propriétés adoucissantes et notre gélatine qui aura une propriété épilatoire. Donc, bien faire attention aux quantités dont vous allez utiliser en termes de gélatine. Alors, dans notre bol, nous allons prendre dans un premier temps du café. Moi ici, je vais utiliser 2 à 3 cuillères de café. Une fois de plus, je le répète ici, mes BF, utilisez uniquement les quantités dont vous avez besoin. Moi, je garde rarement des masques. Voilà, donc j'utilise vraiment les quantités dont j'ai besoin. Donc, dans un premier temps, moi, je vais mettre mon café, comme je l'ai dit au début, et rajouter un peu d'eau. Rajoutez un peu d'eau, une fois de plus, à votre convenance. L'eau ici va être en fonction de la quantité que vous avez utilisée pour votre café. Donc, une fois que j'ai mélangé mon eau et mon café, je vais filtrer, hein, comme je le dis toujours, tout ce qui passe au niveau de notre visage. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de grumeaux pour ne pas avoir une sensation très, très désagréable. Donc, une fois que j'ai filtré mon café, je vais immédiatement rajouter ma gélatine. Mais bien, faites attention ici à la quantité de gélatine. Moi, je veux en mettre juste un seul sachet parce que moi et l'épilation, ces deux, ça fait tellement mal. Donc, pour ceux et celles qui veulent rajouter plus de gélatine, sachez également qu'il y aura une forte propriété en termes d'épilation. Parce que vraiment, ce masque, non seulement il est éclatant, non seulement il est nettoyant, mais également il a une fonction d'épilation. Donc, une fois que nous avons mélangé notre gélatine et notre café, nous allons laisser à ébullition pendant 5 minutes au niveau du feu. Donc, ici, moi, je ne vais pas faire ma solution très pâteuse. Je vais vraiment laisser de manière onctueuse. Donc, à vous aussi de choisir. Ça dépend de ce que vous voulez faire au niveau de votre visage. Est-ce que vous voulez plus épiler? Dans ce cas, vous rajoutez plus de gélatine et vous laissez plus à ébullition. Donc, 5 minutes plus tard, moi, je vais mettre ma solution dans mon bol de départ pour finaliser la préparation de mon masque. Donc, une fois que j'ai laissé un peu refroidir, voilà, j'ai laissé refroidir 3 minutes, je vais rajouter les autres ingrédients. Je vais rajouter mon huile de coco. Je rajoute une cuillère, hein, généralement à soupe d'huile de coco, et une demi-cuillère de miel. Je vais mélanger tout ça et ma solution sera prête. Voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et là, vous allez frotter. Comme je dis toujours, essayez toujours d'abord au niveau de votre main ou comme vous voulez pour déjà d'abord voir si déjà le niveau de chaleur vous correspond et si c'est assez onctueux. Donc, vous voyez là vraiment, notre solution est vraiment agréable, la sensation au toucher. Il n'y a pas de problème. Donc, vous frottez comme ça avec des gestes circulaires. Voilà. Voilà. On va passer immédiatement à l'application. Donc, en termes d'application, nous allons mouiller d'abord notre visage et faire bien évidemment des gestes circulaires comme je vous ai indiqué. Bon, je vais passer en mode rapide pour que la vidéo ne soit pas très très longue. Donc voilà mes BF, vraiment c'est facile, vous-même vous voyez, c'est facile au niveau de l'application. Alors mes BF, prenez vraiment le temps pour appliquer votre masque au niveau du visage. Prendre vraiment le temps. L'objectif ici vraiment c'est que le produit pénètre ici. Et une fois que vous aurez appliqué ce masque, je vais vous conseiller de le laisser au moins 15 minutes minimum et 30 minutes maximum. Donc, bien évidemment, moi, j'utilise ce masque une fois par mois avant d'aller en institut. Donc, vraiment, la gélatine ici a la propriété d'épilation et le café ici va rendre vraiment votre visage très éclatant. Le miel adoucit votre
votre visage. Donc voilà, on laisse reposer et on revient tout à l'heure. Alors, voilà notre masque en fait qui est tout sec. Si vous prenez ce que j'ai fait au niveau de la main, il vous suffit de retirer simplement comme ça. On va le faire directement sur le visage. Faites attention, ce masque également fait fi de l'épilation. Donc, vous allez retirer. Alors, mes BF, attention, j'insiste encore ici. Faites vraiment attention lorsque vous retirez le masque parce que c'est vraiment un masque aussi épilatoire. Donc, vraiment, j'ai oublié de dire en début de vidéo, vraiment évitez votre sourcil parce que si vous mettez en grosse quantité, vous allez perdre également. Donc, vous voyez comme j'enlève là, pour ceux qui sont tenaces, vous pouvez enlever. Mais comme je n'ai pas fait un masque assez chargé, vous pouvez également à base d'un gant humide, vous pouvez aussi retirer tout doucement votre masque. Donc voilà mes BF, vraiment, ce masque est vraiment un masque très, 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 très important aussi. Vraiment, c'est éclatant, c'est épilatoire. Bref, voilà ce que je voulais vous montrer mes BF. Prenez le temps de le faire de temps en temps, vraiment pour rendre votre visage magnifique. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes BF. On passe immédiatement à la conclusion. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vraiment rincer votre visage à base d'un gant, comme je le fais d'habitude. On passe à la Alors, mes conclusion. BF, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez regardé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à me dire si vous avez essayé la vidéo chez vous. Donc, moi, je vous dis déjà à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et sachez tout simplement que la vie reste amour. Au revoir.